Mais t'es sérieux? Eh bien salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Rust pour tester un nouveau concept les amis, d'aller dormir chez les gens, c'est-à-dire deep les gens et récupérer tout simplement leur base. Donc vous connaissez peut-être la série J'irai dormir chez vous sur France Télévisions, et ben moi je vais le récupérer pour le faire sur Rust. Et voilà, donc j'espère que ce nouveau concept va vous plaire, et si jamais ça vous plaît, bah je referai un deuxième épisode. Mais avant tout il faut qu'on choisisse le bon serveur. Ok les amis, c'est ce que je vous avais prévu pour cette vidéo, mais malheureusement j'ai vécu les pires heures de toute ma vie de Rust sur ce serveur de merde. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Mais têtu comme je suis, j'ai voulu quand même tenter une petite survie sur l'un des pires serveurs que j'ai jamais rencontré. Donc je vous laisse avec la vidéo. Mettez un like et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Bon. On se réveille sur Rust. Ok. Bon. J'ai un copain là. D'accord. Et nous avons deux grosses bases. Oh, il s'est réveillé en même temps que moi. Salut mon rouquin, ça va ou quoi? La forme? Ah ouais, ok, il y a des mecs là-bas. Allez, c'est parti, on va chercher un peu de bois. Faut que je me fasse un petit arc. Un petit arc et que j'aille jouer le mec, quoi. Voilà, il y a moyen de deep. Hein. Là-bas, il y a une base qui décaille, j'ai l'impression. Ah, il y a un mec à se mat. Y'a un mec à ce mat. Ah ouais, d'accord, il est en semi. D'accord, ok. Ah ouais, mais toi, tu veux me jouer de là-bas. Mec, n'oublie pas que t'es sur PS4, mon pote. Ça m'étonnerait que t'arrives à me toucher, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? Si j'arrive à en buter un, récupérer la semi. Oh, c'est magnifique. Je sais pas s'il va venir me jouer. Bon, ça m'étonnerait, il a vu que j'étais niquide, quand même. T'as bien vu que j'étais niquide, frérot. Oh, j'ai reçu une flèche, là. De qui? Oh là là, alright. Bah, je m'en vais. Bah, écoutez, je m'en vais, hein. Je reviendrai, vous inquiétez pas. Ce coin m'a l'air vraiment sympathique, hein. Il y a des gens qui bougent un peu. Celui-là, c'est pas mort. Moi, ça m'intéresse, les endroits qui sont pas morts. Il y a un mec qui fait du bois là-bas. Frérot? Ok. Il est là-bas. Ok, il y a le mec Harvey là. Aïe aïe aïe. Il est avec des Nikit. Mais il y a eu des morts ici, là. C'est un champ de bataille. Je me fais chasser, les amis. Ah, et ça bug, en plus. Je sais pas si j'arriverai à fight, hein. Dans ces conditions. Par contre, je peux le fight. Mec. Moche ça, mon lapin. Allez, hop. Ça, c'est fait. On commence bien, les gars. Malgré les lags, on est là. Eh, Rust console, respect. On se bouffe des lags, des rads et des nikits. Par rapport à Rust PC, nous sommes les moins lotis. C'est moi qui fais le bruit? Ah ouais, c'était moi. Ah, il y a un mec là-bas. C'est un nikit. Il vient d'arriver. Ok, bon, bah, on s'en va. Hein. Let's go. Let's go do the shit, man. Eh, pep. C'est ouvert, man. Ah, d'accord. Oh ouais. Aïe, ça fait mal. Dommage. Mais là, je peux pas casser le truc. J'ai pas de quoi me soigner. Donc, à cause de ça, je suis mal. Si je rencontre quelqu'un, il y a des chances que je perde mon duel. Ah, de la pierre. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit coffre tout court. Ok, on a une TC à l'envers. Les TC à l'envers, c'est pas intéressant parce qu'à mon avis, ça a été posé après un raid. Je me fie toujours à une TC à l'envers, c'est qu'elle a été posée après un raid. Genre, elle avait vie ou quoi, tu vois. Parce qu'une vraie TC, c'est une TC qui est bien placée, bien à l'endroit. Allez, on va réussir à grimper ou comment ça se passe? Je t'appelle un intérimaire si tu veux. Putain, y'a un mec. Mec. Je mets ta canne sur sa TC. Comme ça, il aura le seum. Hop là, c'est ciao. On va s'enseigner un peu là sur le voisinage. Ok, salut bande de fous. Ah, ça lag beaucoup. Ah.
Recycleur, recycleur. J'ai plus de flèches. Let's go, motherfucker, man. Let's go, let's go. Ah ouais, let's go. Ok, bon, allez, on va se calmer un petit peu. Allez, c'est pas le moment de mourir, Akari. Akari, c'est le moment de faire ta baraque. On va se mettre là. C'est une base juste pour poser les affaires, les gars. Malade, lui. Motherfucker. On va retourner là-bas, là où on a fight au début. Il lui arrive quoi, lui? What? Ok, ben merci, écoute. Hein. Ouais, un peu de pierre, c'est sympa. Putain, vous voyez un peu la gentillesse. Mais il fait quoi, lui, là? Il est bizarre, ce mec. Petite intervention pendant la vidéo, les amis. Je suis désolé, j'ai eu des petits problèmes d'enregistrement de mon micro. Malheureusement, ça fait des petits grésillements. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir dans quelques minutes. Sinon, à part ça, nous avons réussi à faire notre petite base. L'amélioration en pierre vient de se terminer. Je décide donc de partir à la recherche d'ennemis. Mais c'est là que les problèmes vont commencer. Allez, TK, il est en base. Mais non, mais non! Mais non, 48. 45. Oh, on est en première ligne, les gars, juste pour attendre que la base decay. Oh, c'est magnifique. Oh, on va pouvoir se mettre bien. J'irai dormir chez vous. Bah voilà. Ah, DB. Ouais, tout droit, tout droit, tout droit. Alors, on va jouer le DB, les gars. On a des couilles ou pas? On a des cojones ou pas? Mais non. Après un an, les gars, un an. Ouais, les gars, arrêtez. Un an, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que le jeu est sorti. Et vous avez toujours les mêmes problèmes qu'à la base. À mon avis, il fait nuit. Croisez les doigts qu'il fasse nuit, en vrai, parce que comme ça, les mecs, ils me voient pas et je me fais pas loot, quoi. J'ai moins de chance de me faire loot. Ce n'est pas possible. Ah, je me suis pas fait loot. Par contre, DB, à mon avis, il a du déco aussi. Il y a des chances. Il faut qu'on le trouve avant qu'il se connecte. Au-dessus. C'est loupé. Ah, sale chien, va. Heureusement que t'as le DB, toi, hein. Il m'a mis le stress, là, t'as ma droite, là, avec son caillou, là. Sérieux. Ce serveur est horrible, les gars. Ne rejoignez jamais ce serveur, en fait. On va essayer de faire une aventure là-dessus, mais j'y retourne. Je sais pas si ça se dit.
DB. Waouh, 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 waouh. Vous avez vu, le bug m'a fait descendre, m'a fait sauter automatiquement de cette falaise. Ça me rappelle un peu le bon vieux temps, hein. Tu fais quoi, toi ? Va te prendre coulo, man. Mais t'es sérieux, il me met trois têtes d'un coup. C'est pas possible, ça, frère. Je comprends plus rien. Je me décale derrière lui, mais il me met encore la tête, quoi. Mais oui. Il est en haut, ce bâtard. T'inquiète, j'arrive. Je mets pas de tête, moi. Hein. J'ai pas mis de tête. Hein. Ok les amis, après ce petit moment de colère de ma part, j'avais passé une mauvaise journée, plus combiné avec ce serveur qui me rendait complètement dingue. Là je décide de farmer de mon côté avant de retourner à la base. J'avais respawn aléatoire dans le désert, mais vous verrez que ce petit moment de solitude va se transformer en moment très bénéfique pour moi. Oh le DB, punis Asmat et DB, oh là là. Le jeu là, il a vu que j'étais vénère. On va lui remonter le moral. On va lui donner Tony Asmat plus un DB. Y'a un mec là. Viens là mon ref. Viens là mon ref. Ta gueule, ferme ta gueule. Ah, attention. Motherfucker. Oh, on a une équipe devant nous. Ah, il est mort. Il est mort de ses mains. J'ai pas dit. Putain, c'est quoi ce combat? J'ai une clé. Une clé d'où? Où est-ce qu'il habite? Là? Non. Attendez, il doit pas habiter très loin lui. Oh nice. On a des munitions. T'es malade aussi de venir à moi, toi. It's a drop. It's a drop, man. Drop in the base. Put your hands up. Drop now. Yes. Il a drop, il passe. Il a drop. Ok. Y'a des gens?
Ah, shotgun, ok. Ok, porte en métal direct. 321 de ferraille. Ouais, c'est plutôt pas mal au final. On va aller voir la base qui decay. Ah, ça y est, elle a commencé à bien decay là. Ah ouais, ouais. Et on va aller choper un peu de largage. Alors je regarde vite fait hein, s'il y a moyen de faire quelque chose. Non, hein. Il y a que ces murs extérieurs qu'on decay. Ah, dommage. Ah, attends, si. Merde. Merde, 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 il y a une tourelle. Ok, on va laisser tomber le largage. Ils sont en train d'observer, là. Qu'est-ce qu'ils font? Eh, hey, laissez-moi, j'ai vu la base en premier, hein. 4. What? Ils sont 4. Ah, ça bug de ouf. Ils sont en train de loot, hein. Ouais, ouais, ils sont clairement en train de loot. Putain, au moment où j'arrive. C'est le moment d'y aller. C'est le moment d'aller à l'intérieur. J'ai pas vu le coffre ici. Wow. Oh, pitié qu'il y ait des armes. Fait chier. Il reste pas grand chose. Les mecs. Allez, descends, descends plus bas. Descends plus bas, frérot. S'il te plaît. Bonjour, non. Donc, Sean. Ouais, finalement, j'ai su récupérer des choses, mais il y a dû avoir tellement plus que ça à l'intérieur. Et les mecs là, faut qu'on paie cette base. Les 4 là, à mon avis, ils se sont mis tellement full. Ils ont laissé vraiment la merde, quoi. Ah, faut pas qu'on perde notre objectif de. De dormir chez les gens. Oh non, mais non, arrêtez, 3 sur 3, au moins d'une heure, les gars. C'est même plus drôle, man. All right, let's go. Let's go. Il y a un mec qui arrive sur moi, dépêche-toi. Il m'a même pas vu, il est sérieux, lui. Alright, let's go. Alright, let's go. Ah putain, le timing, man. Oh là. Heureusement que je suis arrivé à temps. Yoka qui me sauve la vie un peu, hein, au final. Yoka qui me sauve la vie. C'est bon, ça. En plus, on récupère un pic à glace. On devait aller à l'Uxium. On va y aller. T'en bats les couilles, le gars. Tu t'en bats les couilles, gros. Il y a un mec qui tire dessus, t'en bats les couilles. Passe-moi ta pierre, hein. Les lags. Ah, carte verte. Oh, pièce militaire.
Oh, de l'HQ. C'est beau. C'est une T1 ça, motherfucker. Y'a un mec. Merde, motherfucker. Mais c'est une blague. Non, je suis mort. Tiens, meurs, voilà. Tiens, chien, mon pote, chien. Putain, mais ça, moi aussi, j'ai un défaut, c'est de vouloir toujours toucher la tête. Non, voilà, j'ai un défaut de mettre toujours des têtes, enfin, de vouloir mettre que des têtes. En 1h30 de jeu, les gars, j'ai bugué 5 fois. Lui, son cadavre. Non, je suis deg. Ah, dommage. Faut vraiment que je pose un bed à côté de... Oh, mais non, mais sérieux, mais non. Mais moi, je pense qu'on va faire un petit tour au compte Banty pour aller faire du recyclage. Mais non, mes frères. Mais non, mais tu te fous de ma gueule, toi. Vite avant qu'il explose ma baraque. Vite. Voilà. J'avais pas envie qu'il explose ma baraque. J'ai une idée. Viens là l'hélico, viens là. Viens exploser cette baraque. Il arrive. Vas-y, explose-moi le cul. Allez, fais péter cette baraque. Par contre, faut que je me planque. Allez, tire. Excellent. Allez, encore. Pas assez, là. T'as que ça dans le bidon ou quoi? Allez, explose-moi cette baraque. Espèce de tarlouse. Y'a chi. Yachi, y'a même pas de dégâts, frère. Mais non, t'es vraiment nul, hein. Oh, c'est de la merde. L'hélico, c'est de la merde. Ouah, t'es nul. Largage tout de suite. Par contre, j'ai rien pour me protéger, j'ai rien pour... Ouais, j'ai R. C'est pas le moment de bugger, mon ref. Je vais en plein liquide. Allez, ne bug pas, frérot, mais là je fous le bug, comme par hasard. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là? Casse-toi de là, frérot. Pourquoi tu me suis? Oh, là, tu peux bugger. Mais il veut quoi, lui? Arrête de sucer, toi. Mais non, mais t'es malade ou quoi? Tu crois que je vais ouvrir ou quoi?
Mais il est fou lui. Je fais le pomper dans sa gueule à lui, tu vois. Salut. Sérieux lui. Ah, ça fait plaisir. Mais genre. Peut-être que tu t'es mangé. Tout ça c'est à moi. À moi. On se met super bien. Il me manque même un coffre à la limite. Là, j'ai un stack de d'HQ les gars, c'est sérieux là. Go recyclage. Salute. Buongiorno. Comment est-ce que les bandits là? Ben voilà, on se met super bien en vrai. À la roulette, histoire d'avoir la T3. Non. Non, j'ai tout mis sur un, j'ai pas fait exprès, mais non. Please. Oh, merci le jeu, merci. Non, le 1, non, le 10, encore pire. Ah, dommage. On a le métal qu'il faut. J'étais venu pour le métal, hein, donc le scrap, c'est pas grave. J'ai un putain de C4, en vrai je pourrais l'utiliser pour la base à côté. Ça va en vrai, on pourrait attendre, hein, 300. Alors on va aller à l'oxium. Oh, mais non. Putain, il m'a loot, il a loot le mec, le fils de pute là. Vas-y, mais toi, mais t'es un suceur de pite toi. Il est là-bas. C'était pas lui, putain. Il est là le mec. Il habite en bas, c'est bon. Il habite où ce trou du cul, putain. Il était mort. Mais non. Il y a un shotgun, putain. Mais surtout un shotgun quoi. Non. Bon bah il est temps de faire un four. Mais non. Arrêtez. Ça me saoule ici. Y'a un mec qui farme du bois. Merci man. T'avais un truc contre moi là. Vais-je réussir un dip pour une fois là? Faut que je tue des animaux. Y'a un mec là. Mais non. Putain, c'est un python.
Le problème, c'est que j'ai peur de bugs. Je vais aller à l'avant-poste chercher du lolo. Comme ça, je vais pouvoir me faire enfin un four. Alors ouais, je reste. Oh, c'est quoi cette base? Mais what the fuck? Voilà pourquoi ça bug, les amis. Mais c'est quoi cette base de bâtard, là? C'est des casse-couilles. Ils sont là. Le chien de la casse. Mais non! Mais j'ai rien fait! Mais j'ai rien fait! Mais... C'est quoi ce qui me tire dessus, là? Mais c'est quoi qui me tire dessus, frère? Mais qu'est-ce que j'ai... Oh! Putain, l'animal que j'attendais tant. Je serais pas étonné que ce soit les deux fils de... Faire un peu de GP comme ça. Je vais pouvoir me faire des munitions là et utiliser mon DB pour une fois là. Mais non, il s'est TP. Mais sérieux, mais quel putain de jeu de merde! Putain, c'est dingue, gros! J'ai pété un pont. Ouais! Non! J'ai pas de ville! Mais nique ta mère! Mais non, mais c'est... Tu sais quoi, je vais faire péter un beau C4 par chez eux. Pas aidé du tout, parce qu'en plus, la grenade, dans ma vue, je l'ai bien envoyée, mais elle a atterri juste à côté de mes pieds. Donc je m'auto-tue avec ma grenade, et au final, en fait, les deux ont atterri sur mes pieds, en fait, parce que au final, j'ai balancé deux grenades, et dès qu'ils ont explosé à côté de moi, bizarre, quand même. Bizarre, très bizarre. Ah, pendant que ça chargeait, les mecs, ils ont eu le temps de venir, de revenir 4 fois, de raid ma base et de transférer le loot. De toute façon, j'ai plus de vie. C'est bien fait pour ma gueule. Ah, mais mon raid. Hein. Donc, ils ont eu le temps de me raid en fait. Le temps que je revienne, ils ont eu le temps de retourner chez eux, le mec de se restuff, de récupérer son cadavre. Parce que le mec, il est mort avec la grue. Et de venir me raid. Je sais pas s'ils ont réussi à rentrer. Je vais fermer la porte. Faut que je fasse du bois. Ils sont 3. En plus, t'es mauvais, mec. Allez, relève-toi, frérot. Tu peux le faire. Tu peux le faire, man. Eh, hey, souviens-toi. Souviens-toi d'où tu viens. T'es capable de faire. C'est une putain. Oh, allez, bon. Bref. Bon. Il y a un mec, là. Mmh.
Salut. Mais non, il a buté. Mais non, il a buté. Relève-toi. Allez, c'est le moment. C'est le moment de faire le masterclass. Oh, il a pris cher. Oh, il a pris cher. Allez, relève-toi. Relève-toi, mais pas tout de suite. Sois juste à côté de toi. Allez, frérot. Ah, bâtard, va, j'allais me relever. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à ne pas rejoindre le serveur, pas rejoindre surtout le serveur qui sera en description. C'est IronZC. C'est vraiment le pire des serveurs. Oh. Voilà, petit combat de fin de vidéo, les gars. C'était pour vous inciter à mettre le like. Ça, c'est ceux qui mettent pas de like. Voilà ce qui leur arrive à ceux qui mettent pas de like, les gars. Bon, allez, je vous dis à la prochaine. C'était Carré, ciao.